une œuvre qui s'intéresse beaucoup au mécanisme, disons, de la manière dont on s'approprie la notion d'art dans notre relation au visible, au réel, à la nature, au concret. Concret allant jusqu'au béton, c'est-à-dire la matière brute que nous avons autour de nous. C'est un travail de sculpteur. Et c'est très important de le comprendre comme un travail de sculpteur qui développe une véritable pensée technique. Elle fait l'œuvre de contraire. Elle est à la fois très sophistiquée et elle utilise des matériaux les plus simples possibles. Donc il y a ce rapport entre préciosité et brutalité qui a toujours été dans le travail. Toute œuvre est créée avec des procédés, des procédures techniques qui sont plus ou moins sophistiquées. Donc ce n'est pas de cette technique-là dont on parle, c'est d'une technique qui fait œuvre, d'un effet esthétique qui est de l'ordre de la technique. Un geste semble avoir suffi pour les édifier, les élaborer, mais en réalité il y a un travail qui est extrêmement long, extrêmement minutieux et complexe aussi, laborieux, parce qu'en fait il faut aussi beaucoup de patience. Cette pénibilité qui pourrait être de la besogne, qui pourrait être lourde de sens aussi dans la perception des objets produits, en fait, elle s'efface. Une pièce qui, spatialement, reproduit l'image mentale de l'atelier de Duprat, l'atelier de Pau, où il se découvre artiste, en quelque sorte. Elle produit l'image d'un bâtiment, comme si elle était l'ombre du bâtiment, et à la fois elle est légère comme une sculpture, quoi, comme quelque chose de déplaçable, alors que c'est un immeuble meuble. Cette dalle de béton, elle est littéralement sertie dans la pièce. Elle est enchâssée, elle est encastrée dans la pièce par une adéquation de forme. Je pensais que c'était quelque chose qui faisait 2-3 mètres par... côté à peu près, alors c'est monumental, enfin ça fait 10 mètres, plus de 10 mètres de côté. C'est un travail qui a demandé en amont une concentration assez importante de la part du tireur qui a réalisé comme ça à peu près 3000 tirs, donc c'est quand même assez énorme. Pour arriver à une sculpture ou un bas-relief, mais qui serait en creux, et qui serait constitué de plomb incrusté dans le mur, issu de tir à la carabine. Il a fallu trouver quelqu'un qui ait l'autorisation d'utiliser une arme à feu et qui puisse tirer ses grenailles sur un mur pendant plusieurs jours, ce qui n'a pas été sans précaution. Une des œuvres qui accueille le visiteur au début de l'exposition et qui s'intitule Les Entrelacs semble être comme ça une œuvre assez simple de réalisation, mais en réalité c'est un travail qui a pris environ un mois et successivement d'abord il a fallu réaliser le tracé, ce qui n'a pas été très simple. Cette œuvre souligne aussi la dimension architecturale du bâtiment. La manipulation du cuivre, elle est très minutieuse et ouais, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration et une technique. Donc ça, j'ai aussi acquis cette technique-là en étant confrontée à la réalisation.
Il a fallu trouver les bons matériaux, le fil de cuivre ayant une certaine épaisseur, pas trop épaisse justement, et ça a été très difficile à trouver. Ensuite, il a fallu le travailler pour que ce cuivre puisse courir et fabriquer toutes ces lignes sinueuses dans l'espace, et le recouvrir par des enduits. Et ça a été, vu la dimension, extrêmement complexe à mener et extrêmement long. On fait ce travail-là avec les artistes, on participe à l'œuvre qu'ils font. Et c'est un travail qui n'est pas donné, je ne pense pas, dans tous les musées, c'est donné à un ouvrier du musée de travailler comme ça avec les artistes. En fin de compte, on fait l'œuvre aussi avec, on participe à l'œuvre. Le résultat, alors après, on est fier de ce qu'on a fait. Ces troncs ont quelque chose à la fois de végétal, bien sûr, mais aussi d'animal, sont des bijoux aussi, sont quelque chose qui est, comme souvent l'œuvre de Hubert Duprat, sont entre plusieurs règnes. Et je trouve que cette œuvre-là chevauche, disons, cet interrègne animal, minéral, végétal, avec une certaine somptuosité, une sorte de naturel, d'élégance, mais aussi une ampleur que je trouve très saisissante. La difficulté principale, c'était la longueur de l'œuvre, le poids. On les a montés via les escaliers, donc avec une technique de portage au cuir. On était entre 8 et une dizaine de personnes à des endroits stratégiques au niveau des troncs pour qu'on puisse être le plus souple possible au niveau du portage. L'œuvre de la pâte à modeler, là il y a aussi des questions de charge, de poids, de disposition et aussi tout un principe technique où on a un assistant qui est venu, donc accueillir cet assistant, pouvoir le seconder et l'aider dans la réalisation globale, comprendre le processus de l'artiste, ce qu'il souhaite comme résultat. Voilà, tout cet accompagnement-là, ça c'est mon travail. Cette œuvre faite de plusieurs éléments cassés-collés, on a à la fois la fissure, la cassure et le mettre ensemble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et même sans aller jusqu'à voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour le seul plaisir de le casser, de l'ouvrir, pour pénétrer une espèce d'intimité de la matière, aussi compacte soit-elle, d'autant plus quand il s'agit de pierre. Le laiton, c'est beaucoup, terni, corrodé, et ça change l'aspect des œuvres. Et comme les œuvres doivent avoir un aspect métallique, un aspect brillant, je fais ce qu'on appelle une remise en état pour exposition, donc pour que le rendu soit vraiment corresponde à ce que l'artiste voulait à l'origine. Le but, c'est que la restauration elle soit le plus invisible possible, qu'elle soit le plus réversible possible, qu'on puisse la retirer à tout moment. Donc c'est vraiment presque l'inverse d'un processus créatif. L'idée, c'est de défaire les plaquettes qui sont soulevées, de nettoyer la colle,
de retirer les clous et de remettre les plaquettes dans le plan. Et pour ça, il faut les user une par une, de façon à ce qu'elles soient exactement à la bonne taille. Les excentriques, c'est une installation murale constituée de petits clous et de fils tendus sur ces clous. Le principe, c'est d'utiliser un calque pour pouvoir faire une implantation sur le mur et après de minutieusement pointer les clous sur la forme qui a été dessinée. Et à la fin de tout ça, tisser entre ces différents clous les fils qui ont été choisis par l'artiste aussi. Ça, c'est du travail qui est très très minutieux et qui prend un temps très long parce que c'est de la réalisation vraiment sur place, ça ne peut pas se dupliquer, c'est un geste à reproduire. En ce moment, on rêve de clous. J'ai l'impression d'être vraiment concentrée sur chaque clou, mais à la fois de ne plus être trop connectée au monde qui m'entoure. Passer tant de temps à faire des choses comme ça, c'est une histoire de dingue, quoi, en fait. Et il en joue beaucoup. La seule chose, c'est que ces histoires de dingue produisent des choses qui nous émerveillent. Elles ont atteint non pas une perfection d'objet, mais une perfection poétique.